peut même se permettre d'assurer à la barre fixe, mais bon, je pense pas que ce soit dans son tempérament. Joshua Jeffries pour l'instant donc dans le top 10 de ce championnat du monde. Voyons s'il parvient. Malheureusement là, il sort du praticable. Petite tension pour Jeffries. Voilà, grosse difficulté. On a vu qu'il n'a pas pu prendre assez de hauteur pour sa dernière diagonale. Il a malheureusement posé les pieds. Voilà, deuxième diagonale nettement meilleure. Énormément applaudi par son public. Je pense qu'il doit y avoir quelques petits problèmes dans ce praticable. Alors soit il rebondit trop, soit il rebondit pas assez. C'est pas normal que les gymnastes sortent autant des limites. Allez, ATR. Course d'élan, rondade flip. Suivi d'une originalité, là c'est pas mal ce qui nous a fait l'Australien. Salto et demi avec un demi-tour, arrivé en roulade, ce qui permet de ne pas prendre deux points du tout sur les réceptions. C'est pratique. Et là, rondade flip, double vrille et demi avec un léger pas. C'est tout de même pas mal ce qu'il nous a fait malgré cette erreur au début de mouvement. Ça devrait lui faire perdre quand même pas mal de points.